Il a suffi d'une rencontre, il a suffi deux rencontres, celle de Zimaco, l'architecte, le concepteur, le constructeur, celle de nombreux passionnés qui ont rejoint le projet, qui nous ont aidés à construire, à bâtir, à aménager, à organiser, à réunir, à accueillir. Une école laïque et ouverte à tous. Altermonde. J'ai commencé en septembre ici, petit à petit. J'ai commencé par l'infirmerie et j'ai fini avec l'infirmerie. Donc ça allait de gauche à droite, les gens qui venaient m'aider, les sponsors. La raison d'être de cette école est d'offrir un cadre social, un cadre fiable et sécurisant à des enfants dans ce site, hein, sur le camp, de leur permettre de renouer avec un cadre social, avec des règles de vie en société, etc. Si moi je vais en Chine aujourd'hui, j'irai à l'école. Il faut faire intégrer la société française, il faut parler français. Donc du coup, j'ai aussi mis la laïcité pour unir les frères. Nous sommes une dizaine d'intervenantes, issues ou très proches, issues de l'enseignement ou très proches de l'enseignement, comme des éducateurs ou des orthophonistes, etc. Nous avons des enfants, nous accueillons dans cette classe des enfants entre 4, 5 ans et 10, 11 ans. Nous leur proposons des activités de langage, de vocabulaire, que ce soit en français ou que ce soit en anglais. Nous leur proposons de découvrir aussi l'alphabet, de reprendre la numération, de reprendre tout ce qui est technique, toutes les techniques opératoires, addition, soustraction, multiplication, division, de renouer avec, de découvrir ou de renouer avec la géométrie, avec les activités scientifiques qui sont proposées, les activités artistiques, etc., comme tout ce qui est proposé dans une école normale, dans un établissement scolaire normal. Le A de Denia, là, A, Denia. Les enfants qui sont ici, ça fait 2 mois. D'accord. S'il y avait une vraie école, c'est pas tous les jours ils viennent. En plus, peut-être un jour, il y a 2 heures de temps, c'est fini. S'ils venaient chaque jour, peut-être ils auraient compté jusqu'à 1000 aujourd'hui, les 2-3 mois. Et je suis fier, en même temps que les frères sont fiers, je suis content. C'est un plus pour la famille ici, la grande famille. La famille du monde? Non, c'est pas la famille du monde. Ici, c'est Forum. Ici, c'est pas la France. Ici, c'est pas l'Angleterre. Si je ramène des enfants que tu leur poses la question, où est Shadi? Où sont les autres là? Ils vont dire Shadi, go France, parce que Shadi est allé à Paris. Pour eux, ici, c'est pas la France. Et que soit Shadi, go UK, London. Ici, c'est pas la France. Pour eux, c'est un endroit pile à la frontière. Pas la France, pas l'Angleterre. C'est pour ça que j'ai donné le nom de Forum. Et maintenant, l'histoire va continuer. Je lance un appel à l'unité, École of Unity, devise de notre école, devise de notre espace de vie, de notre lieu de rencontre, devise du Forum de Calais. Continuer d'apprendre, d'échanger avec ses pairs est fondamental pour reprendre la confiance en soi et conserver sa dignité. Salut la grande famille. Je vais mettre les statues de De Gaulle et de sa femme. Place d'armes de Forum. Parce qu'il faut qu'on respecte la France, nous aussi. On fait partie de la France. Je mets De Gaulle et sa femme devant là-bas.